femme plus belle que quand tu chantes plus sexy. Lâche le, vas-y. Thank you.
Bonjour à tous, nous voilà, nous vous avons proposé une petite surprise pour les 10 000 j'aime de la page Facebook Télé Béziers Sud. Bonjour le groupe No Name, bonjour. Vous n'êtes pas au complet, le micro, bien, voilà. Pardon, c'est Lionel, bonjour. Lionel bonjour, Mathieu, Zaza et Lucille. C'est ça. Alors vous n'êtes pas au complet, mais on va peut-être reconnaître la chanteuse Lucille, Lionel qui était à la guitare, à la basse. Et à la batterie, il est un peu loin, je ne sais pas si on va le reconnaître, c'est Mathieu, Junior. C'est ça. Surnom, ouais. Voilà. Donc c'est l'équipe un peu Zaza. Donc alors on peut le dire, c'est une affaire un peu familiale, enfin une affaire, une entreprise familiale qui est basée à Nissan. Et Zaza, vous êtes en couple avec Lionel. C'est donc ça. Donc vous êtes le socle de ce groupe. Et j'espère que vous en avez pris plein les yeux. Même eux ont visionné et en ont pris plein les yeux. Donc c'est dire. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut le rendre événementiel. Voilà. Et parce que ça le mérite. C'est à Nissan, c'est local et c'est né d'où? C'est parti d'où, cette histoire à deux? C'est comment? Alors, comment, non, à la base, c'est une histoire solo. Lionel, qui a créé il y a 18 ans le groupe No Name. Comment ça fait, à 18 ans? Avec quatre collègues à eux. Donc, c'était un petit groupe qui se produisait plus dans les bars, etc. Et il y a 7 ans, oui, effectivement, où je me suis greffée à lui en proposant de monter l'orchestre. En y mettant de la danse, des cuivres, alors etc. Alors vous êtes chorégraphe? Oui. C'est votre profession de base? Oui. Ouais. Récemment. C'était plus une passion de donner des cours dans des associations en tant que bénévole. Et puis, ça en est devenu mon métier, oui. Alors moi, mon regard, quand j'ai vu ça, déjà, dans la salle Michel Galabru, qui est belle, hein, à Nissan, déjà à l'extérieur, un son qui claque. On rentre, les gens sont en place, les lumières sont impressionnantes, la qualité du son claque. Il y a du travail, là. Il y a vraiment du travail, Lionel. Ah, oui, il y a du travail, oui. Il y a des années de travail, après c'est un rêve de gosse. Donc de passion, vous êtes passionné. Ouais. Dites-le, Zaza, dites-moi ce qu'il y a dans votre garage. La passion n'est pas, si on ne vit pas, dites-le-moi. Alors c'est quelque chose que je dis souvent, c'est une passion se vit à fond, sinon elle meurt. Quand on fait les choses, on les fait à fond, sinon ça ne sert à rien. Et je partage totalement, moi en ce moment, mes journées c'est à fond et le soir je tombe comme une masse. Ça doit être pareil pour vous. C'est ça. Donc Lionel disait, donc c'est du travail. Non, oui, c'est du travail, là, c'est le résultat de 9 mois de répétition. On se bloque un week-end par mois en général pour monter le show, pour penser le show, pour tout ça, quoi. Après, tout le monde aime ce qu'il fait, donc ça se passe bien et ça se passe toujours dans la bonne humeur. Quoi. 28 dates cet été. L'orchestre, 28 dates cet été. Alors, vous avez l'orchestre et le groupe. Et le groupe. Alors, c'est quoi la différence? Mais l'orchestre, c'est ce que vous avez vu. Voilà. Avec donc, 28 dates cet été, vous serez à Caux, à Pézenas, on donnera les dates. C'est ça. Un peu tout dans l'Hérault, dans l'Occitanie. Vous allez jusqu'où, maximum? Vous parliez de Bolène tout à l'heure, oui, vous allez jusqu'à Lyon. On est allé dans le 13, là, cette année, on va dans le Cantal. Mm-hmm. On n'a pas de limite. Vous allez ou on vous appelle? Tout à fait. Et c'est le bouche à oreille après? C'est-à-dire vous faites quelque part? C'est un gros travail pendant l'hiver de démarchage quand même, de contact avec les comités, les mairies, ça se fait pas. C'est cher de faire venir un orchestre de votre qualité? Pour moi, c'est pas cher, parce que ça le vaut, mais après ça dépend des communes, il y a des communes qui ont plus de moyens que d'autres. Mmh. Après, les communes sûrement qui vous ont pris une première fois, qui sont satisfaites, vous reprennent après, j'imagine? Tout à fait. D'accord. C'est ça. Lucie, je vais la faire parler, on te voit, oui. C'est un gros plan sur les chansons, je ne sais plus laquelle, c'est... Oui, sur le medley Bruno Mars. Voilà. Ouais. Alors toi, comment tu es venue dans ce groupe? Moi, j'ai intégré le groupe déjà à l'âge de 15 ans, où Lionel m'a fait le cadeau de m'offrir quelques chansons au début, puis en fait, j'ai intégré le groupe. J'ai eu aussi ma petite pause, et je suis revenue dans le groupe, et donc j'ai fait la création de l'orchestre, en fait, avec... Ah, carrément. Avec eux, oui. Enfin, j'ai été là l'année de la création de l'orchestre, quoi. J'étais là au tout début, quoi. Au tout début, oui. Et comment tu as vu l'évolution jusqu'à maintenant? Quel est ton regard? Tu as fait partie de cette aventure? Oui. Après, j'ai un regard admiratif, pardon. Parce que quand c'est tu pareil, vois ces images qu'on vient de voir. Je me dis qu'on revient de loin. C'est vrai? Oui. Et là, aujourd'hui, tu peux être fière. Oui, bien sûr, oui. J'étais contente de voir que même vous, en vous regardant, donc vous connaissez, et vous me le disiez tout à l'heure, on le voit de l'intérieur, on n'a pas ce regard extérieur. Et vous étiez éblouis. Mmh. Oui, c'est vous, ça. Par vous, votre travail. C'est ça. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, quand on est sur scène, c'est pas de l'orgueil, ce que ça rend. Ouais. C'est de nos reconnaissances, du travail fait. Mathieu, Junior.
Donc batteur, depuis le début aussi comme Lucille? Alors ouais, moi je suis rentré, je venais d'avoir 18 ans il y a peut-être une semaine, quand j'ai appelé Lionel, juste majeur. Sous conseil de mon papa, trouve un groupe sérieux qui te fera jouer, et ben, on est tombé sur une annonce de No Name qui à l'époque était un tout petit groupe, et moi j'ai auditionné dans la salle juste à côté, Michel Galabru, c'est ça le nom de la salle, et à côté il y a une toute petite salle, et on a auditionné là, et quelques années plus tard on se retrouve dans la grosse salle, donc ça fait toujours un peu un effet sympa quoi. Ça change, c'est plus le même, c'est plus la même ampleur quoi. Donc, voilà. Combien d'années de batterie au moment où tu rencontres No Name? Au moment où je rencontre No Name, je pense que j'ai peut-être 6 ans de batterie. Avant, j'ai fait du piano, je fais de la musique depuis que je suis tout petit. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est un instrument que j'ai toujours voulu faire. D'accord. J'adore la batterie, c'est quelque chose d'accord. Et donc, mais ça nécessite de jouer avec d'autres. Oui, on peut jouer tout seul, mais c'est quand même compliqué. Hein. C'est au particulier. Moment, voilà. C'est, parce que le solo, il dure plus longtemps. Hein. Ouais, le solo. J'ai pas tout mis. Ouais, c'est pas que j'aimais pas, mais je veux pas. Voilà, je veux être le plus mainstream possible et que ça s'adresse au plus grand nombre. Alors, votre nom de groupe d'orchestre est marrant parce que c'est ce qui apparaît souvent quand on veut titrer quelque chose et que ça marquait No Name. Comment c'est venu justement le mot No Name? C'est futé, je trouve, d'appeler comme ça. À la création du groupe il y a 18 ans, on ne trouvait pas de nom, tout simplement. Et puis, pour être honnête, autour d'un verre, hein, j'ai proposé No Name et c'est parti de là. Un verre arrosé ou... Oui, un apéro, quoi. On va tout savoir. Donc c'est parti d'un apéro, en fait, le nom de No Name, et puis ça a été validé, et depuis ça s'appelle No Name. Donc j'ai tenu à garder le nom de No Name pour l'orchestre, hein, et pour le groupe. Les deux. C'est une marque, ça devient une marque. Voilà, et je sais pas, bon, on le mettra. Mais je trouve que la typo est bien choisie aussi. Ça, c'est de grosses lettres. Oui. Ça impose bien. Mmh. Voilà. Oui, après, voilà. Vous avez un fan de plus. Hein, je sais pas si vous l'avez compris. Ah, mais merci. Ça fait plaisir. Vous avez une page sur Facebook dont on la taguera. Oui. Vous avez quelques milliers, j'imagine, de GM et de déjà. On est pas mal, ouais. Oui, on est pas mal, ouais. La page, c'est tout simplement Orchestre No Name sur Facebook. D'accord. Et ben, on la taguera. Ouais. Voilà, et merci de cette découverte. Merci à Isabelle qui m'a donné le tuyau, voilà, que je le dis. Parce que comment ça marche? C'est quelqu'un qui vous dit, je connais un groupe qui joue. Moi, je m'attendais à un groupe un peu amateur. Là, on n'est plus dans l'amateur, vous l'avez vu, on est dans le professionnel. Et on peut être fier qu'à Nissan, il y ait un groupe comme ça. Et bravo. Merci. Merci. Et voilà, c'était notre surprise pour les 10 000 vues. Je ne vous dis pas pour les 13 000 followers. Je dis rien. Merci. Merci beaucoup, au revoir.